pas de bien. Si, c'est pour ton avenir, je t'assure. Donne-moi une chance, une seule chance. J'ai vu plein de filles, juste une chance. Maman, je suis en couple. Je suis en couple avec Léa. Tu l'aimes pas, c'est une chose, mais tu ramènes pas une autre fille à la maison. Tu es aveugle par cette fille. Tu es avec elle tout le temps. Tous les jours, tu ne sais même pas. Tu te brouilles avec elle tout le temps. Starmoula! T'es pas l'enfant. Maman, c'est pas le faire l'enfant. Tu ramènes une meuf chez moi alors que je suis en couple. Fais confiance dans ta mère. Je t'en prie. De toute façon, elle est pas là, Léa Marie. Donc on s'en fout. Maman, t'es vraiment une barge. Comment? T'es folle. Je te dis, t'es folle. Folle. Oui, tu es folle. Je vais te faire voir la photo. Amen. Quelle photo? La photo de la fille? Bah oui. Attends, tu l'as trouvée sur Tinder? Oui, et ça c'est ses photos. Tu vois, elle est naturelle. Regarde comme elle est belle. Elle a des traits indiens, un peu. Amérindiens. Ouais, mais maman... Regarde comme elle est mignonne. Ouais, mais bon, voilà. Et regarde encore, encore. Là, les fesses normales. Elle a pas des grosses fesses. Et elle met pas ses seins qui vont partout, partout comme dans les habits de Léa Marie. Ses seins font coucou à tout le monde. Maman, franchement, t'es barge. Et si Léa Marie rentre du supermarché, tu vas te faire défoncer. Et là, ça va partir en vrille. Je vais faire comment? Mais qu'elle me défonce. Qu'elle me défonce. Tu veux qu'elle te défonce, Léa Marie? Qu'elle me défonce. Mais je suis forte. Je suis forte. Je suis plus forte qu'elle. Je suis plus forte qu'elle. Je suis plus belle. Plus belle qu'elle. Et je suis plus naturelle qu'elle. Si la meuf arrive, je suis un homme mort. Léa Marie va rentrer du supermarché. Je vais être un homme mort, les gars. En tout cas, est-ce que vous avez des T-Max? Est-ce que vous avez déjà perdu les clés de votre T-Max? Eh ben, vous inquiétez pas, j'ai un boîtier qui peut démarrer votre T-Max sans les clés. C'est un truc de ouf, oui. C'est grâce à un ami à moi. Il a tous les gadgets des enquêteurs. Tu peux mettre un GPS sur n'importe quel véhicule pour suivre ta copine pour voir si elle te trompe. Il y a plein de choses. Regarde, c'est ça le GPS. C'est impossible de le décoller. Un GPS à aimant. C'est un truc de ouf. Ta copine ou ton homme ne pourra plus jamais te tromper. T'as qu'à le mettre sur son véhicule. C'est un truc de dingue. Et regardez, tous les GPS de qualité. Tu swipes et t'envoies un message sur le compte Snapchat ou sur le WhatsApp. Regarde, des brouilleurs, des dernières générations, des caméras espions. Et oui, aussi, le boîtier si t'as oublié les clés de ton T-Max et tu les as perdues. Et regardez ce tracker GPS modèle 4G, c'est incroyable. Et des détecteurs et des traceurs de micro. Incroyable. Ton homme ou ta femme ne pourra jamais plus te tromper parce que tu auras ce GPS qui se colle super fort sur ta voiture ou sur la moto. Tu sauras où est-ce qu'elle est. C'est génial, les gars. Et si tu oublies les clés de ton scooter, de ton T-Max, et bah voilà. Et bah, t'as juste à mettre ce petit boîtier et le T-Max ou n'importe quel scooter se allume. C'est vraiment génial, non? Si tu oublies les clés de ton scooter, grâce à ce boîtier, tu pourras réallumer ton scooter, c'est vraiment génial, c'est terminé. Si tu oublies tes clés, ton scooter n'est pas mort. Les gars, j'ai mis le WhatsApp juste là. Tu as juste à envoyer un WhatsApp ou envoyer un message sur Snapchat. Allez, swipe up, envoie un message sur Snapchat ou appelle-le ou envoie un message sur WhatsApp. Fonce. Ah, vraiment, ramener une meuf là? Non, elle se fout de ma gueule. J'y crois pas. Sébastien, quoi, voilà le petit ange que j'ai trouvé sur Tinder. Tu l'as trouvé sur Tinder? C'est vrai qu'elle est belle et naturelle, mais là. Voilà, Sébastien. Maria. Maria, ok. Come. Allez, venez. Maman, venez. Je vous donner une petite surprise. Amour. Ok. Oh my god. C'est trop gênant. I know, she's so pretty. Go ahead, Sébastien. Maman, j'ai l'air assez rendu sur marché. Sois poli. Sois poli. Elle est pas dans vos histoires. Sois poli, elle est trop gentille. Putain, les gars. Si Léa Marie voit ça, je suis en homme mort. Hello. Hello. What's your name, Maria? Maria. My name is Sebastian. Drinks, here we go, some lemonade. Oh. I mean, it can be chose à boire. Ok. Mademoiselle. Oh, bah. So, Maria. Attends, les gars, faut que je sois poli quand même, parce que là, mais si elle voit ça, elle est à moi que je suis là. Elle est trop gentille. Oui, elle est gentille. Oh, thank you. Now you got her. So, what is your. So, where are you from? Miami? Yeah, Miami. Okay. And how old are you? 27. Yeah. Attends, les gars, quelqu'un a sonné. Maman, il y a quelqu'un qui a sonné. On s'appelle le livreur. Attends, vas-y, rentre. Chercher. Rentre. Quoi? C'est qui? Léa? Merde, Léa. Attends, on a perdu les clés. On a plus les clés. Merde. Maman, c'est Léa Marie, putain. Putain, mais. Maman, tais-toi, il y a Léa Marie. Maman, il y a Léa Marie. Maman, il y a Léa Marie. Chut, ferme. Non, mais je rêve. Elle me met dans la merde. Putain. Ah, mais c'est genre, pourquoi tu mets 3 heures là? J'ai perdu les clés, je sais pas pourquoi. C'est quoi ça? Je suis désolé. Ça va? Ouais.
pourquoi t'es essoufflé. Je sais pas. Vas-y, bah. Tu faisais du sport? Pas dans la chambre, ouais, je fais du sport là. Hein? Pas dans la chambre, je fais du sport, je t'ai dit. Vas-y. Et ferme la porte là parce que je suis en train de faire du sport, ok? Vas-y. Maman. Maman, il y a l'air, Marie, t'es. Ouais. Come, maman. C'est pas pour lui ce que tu fais. Et là, dans la deuxième chambre. Sébastien. Oui, mais maman, il y a Léa Marie, t'es barjo. Non, mais. Sébastien. Qu'est-ce que c'est? Quoi? T'es bizarre. Tu me fais une blague? Qu'est-ce que c'est? Attends, va dans la douche, s'il te plaît. Pourquoi dans la douche? Surprise, c'est quoi? Oui, je te fais une surprise. Mais tu fais quoi? Tu vas avoir peut-être 1000 euros, tu vas voir. Hugo, Hugo, quick. Maman, t'es folle. Non. Ça va, bébé? Ben ouais. Ouais, ça va. Qu'est-ce que t'as? On va au restaurant ce soir? Ouais, vas-y, avec plaisir. Vas-y, ok. Mais pourquoi t'es bizarre là? J'aime pas quand tu fais des trucs bizarres là. Tu veux aller à un restaurant italien ou chinois ou... Non, mais pourquoi tu fais quoi là? Je fais de la baisse de tension. Regarde Marlon, tu te rappelles de Marlon, mon pote de Cray? Qu'est-ce qui se passe? Il est entre la vie et la mort alors qu'il a 20 et quelques années. Il a quoi, 22 ans? Et il est hyper mal à cause du Covid. Je saigne, je saigne. Non, mais ça va bien. Je te jure, regarde. Arrête. Genre. Il saigne et tout, il y a du sang. À la gorge. Comme si. Les gars, vous voyez, Marlon, vous vous rappelez de Marlon, mon ami? Eh ben, il est très, 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 très mal au point à cause du Covid-19. Donc, oui, le Covid-19 est dangereux pour les gens de notre âge. Arrêtez de croire, on peut mourir du Covid-19 même si on a 20 ou 30 ans. Faites attention, les gars. Les gars, si vous voulez voir comment il se sent mal, Marlon, allez voir dans sa story Snap. Il a le Covid-19, il est au fond du gouffre. Vous vous rappelez de Marlon? Swipe up et va voir dans sa story Snap à Marlon. C'est horrible, il a le Covid-19 et il le vit très, très, très mal. Il y a des variantes du Covid-19 qui sont dangereux pour nous, les jeunes. Et Marlon est au point. Swipe up et va voir sa story et ajoute-le. Vous allez être choqués dans quel état il est. Au bord de l'eau avec ma mère parce que j'ai besoin de lui parler du fait que ce qu'elle a fait hier c'était inacceptable et qu'elle met mon couple en péril. En attendant, j'ai quand même fait plaisir à aller à Marie parce qu'en ce moment ça se passe super bien dans notre couple malgré les problèmes avec ma mère. J'ai acheté un cadeau, pas à toi, hein, à Léa Marie. Toujours des cadeaux pour Léa Marie. Voilà, donc j'ai acheté un cadeau à Léa Marie. Donc ma mère, bon, elle est un peu énervée que j'achète des cadeaux à Léa Marie, mais devinez ce que c'est. T'es en train d'acheter Léa Marie? Non, j'achète pas du tout, maman. Elle aime être achetée. Bon, maman, c'est bon. Donc, j'ai acheté un cadeau à Léa Marie parce que je l'aime beaucoup, ça se passe super bien en ce moment. Je veux juste que ma mère, comme je lui ai dit, qu'elle arrête de ramener des filles à la maison et que Léa Marie, c'est ma copine et il n'y aura pas d'autres copines en fait. Il faut que tu le comprennes, maman, ok? Non. Bon, voilà. Non. Je vais vous montrer le cadeau. Venez avec moi. Bon, les gars, on va se poser. On va se poser juste ici, là. Vas-y, viens. Et je vais vous montrer le cadeau. Que je vous montre le cadeau de Léa Marie, je vais donner mon numéro de téléphone. Je vais donner mon numéro de téléphone à mes abonnés. C'est très simple. Si tu veux mon numéro et m'appeler, je vais répondre aux premiers appels. Et je vais essayer de répondre pendant 24 heures quand même à des messages, à des appels. T'as juste à swipe up et aller sur le Telegram, à t'abonner et tu vas voir mon numéro de téléphone. Tu fonces. Petite anecdote, c'est un 07. Donc allez-y, fonce. C'est mon numéro français. J'ai un numéro américain, un numéro français. Mais les deux marchent. Allez, fonce. Appelle-moi. J'attends de voir. Ça va et toi? J'ai des appels de partout, les gars. Ça va et toi? Je suis trop content. C'est quoi? J'ai ton numéro, je te fais dédicace. Bon, à tout, bisous. Je t'envoie ça. Merci. À tout, ciao. Ciao. Les gars, si vous voulez mon numéro, t'as juste à swipe up, aller sur le Telegram. Je réponds et j'envoie des dédicaces gratuites. Les gars, regardez le cadeau que j'ai fait à Léa Maris. Elle est pas très contente, ma mère. Regardez bien, vous allez kiffer. Et regardez. Waouh. Oh. Belle ceinture Louis Vuitton. T'aimes bien ou pas? Wow. Elle est pas ma mère. T'inquiète pas, je te jetterai des cadeaux aussi, maman. Elle est belle, hein. J'espère qu'elle va kiffer, hein.